Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser la quête légendaire qui est de toucher un adversaire moins de 10 secondes après avoir fait une ruée du point zéro. Alors ce défi est un défi à étapes et vous avez 5 étapes à réaliser. La première étape est de toucher 5 adversaires moins de 10 secondes après avoir fait une ruée du point 0. Ensuite c'est 10 adversaires, 15 adversaires, 20 adversaires et puis 25 adversaires. Quand vous aurez terminé les 5 étapes, vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille de créer une partie que avec des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer des parties que avec des bots, je mettrai un lien en description et en commentaire qui vous dirigera vers une vidéo qui vous explique comment créer un lobby de bots pour Fortnite. Et ne vous tracassez pas, c'est totalement légit. Vous ne risquez aucun ban. Et cette astuce peut vous servir pour tous les défis que vous voulez faire. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Alors si vous voulez le faire en partie normale, je vous conseille de le faire en foire d'empoigne. Parce que bien souvent, la fin de zone se trouve en plein milieu de la map. Donc justement où il y a le point zéro. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement toucher le point zéro pour qu'il vous retéléporte dans la map. Et là, vous allez devoir atterrir assez rapidement et infliger des dégâts moins de 10 secondes après avoir fait une ruée du point zéro. Donc il faudra essayer de repérer les adversaires qui sont en dessous du point zéro pour essayer d'être le plus rapide possible. Alors j'ai une petite astuce aussi pour vous, c'est que vous pouvez créer une rampe jusqu'au point zéro et ensuite vous attendez jusqu'à temps de repérer un ennemi qui se trouve juste en dessous et ensuite vous prenez le point zéro et vous foncez sur l'adversaire. Et ensuite vous essayez de le toucher. Donc voilà, après s'il y a plusieurs adversaires un à côté de l'autre, essayez de leur mettre une balle à tous le plus rapidement possible, comme ça ça augmentera le nombre d'adversaires touchés et ça vous aidera à réaliser le défi plus rapidement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.